Bonsoir. J'ai une journée assez délicate. Ma journée était faite de combats spirituels. Tu vois, ça c'est le genre de journée où tu dois rester à la maison, tu dors. Parce qu'il y a beaucoup de batailles dans le spirituel qui se passent. Mais on a toujours la victoire, comme vous connaissez. Donc quand je me suis réveillée, j'ai eu cette... Le premier message que le Seigneur m'a donné quand je me suis réveillée, c'était le suivant. Tant que toi-même, tu n'abandonnes pas. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne peux pas perdre. Et c'est là que, en y pensant, je me suis dit, est-ce que vous savez que la femme que tu es aujourd'hui et la femme que tu veux être demain, qui sera bien sûr plus belle, plus jeune, vous ne savez peut-être pas, mais tu peux rajeunir avec le temps. Ça, c'est un enseignement pour un autre jour. Donc, la femme que tu veux devenir demain, plus riche, cette femme, elle se trouve au bout ou bien de l'autre côté des découragements, des opportunités d'abandonner. Des paroles décourageantes que tu avais avant qui reviennent dans ton esprit. Il y a parfois, c'est un jour où tu restes comme ça là. Si tu n'es pas, tu fais pas attention, tu peux frôler la déprime. Bah, tu as l'impression que le jour là, tu as beaucoup, beaucoup de pensées. Tu penses beaucoup à, oh, avant ça ne marchait pas. Qu'est-ce que tu dis que ça va marcher maintenant? Peut-être dans le passé, on t'avait escroqué plusieurs fois. Et tu fais encore un autre projet avec quelqu'un. Tu as l'impression que la personne veut t'escroquer. Du coup, ton esprit a dit, voilà, encore, une fois de plus, ils vont m'escroquer. Une fois de plus, ça ne va pas marcher. Une fois de plus, tu vois un peu, non? Alors que l'esprit est en train de te pousser. Tout, c'est ta foi. Je me suis... Tout est dans ta foi. Je crois que je peux. Je me lance. Supposons, tu vis dans un appartement de 500 euros. Tu écoutes ce que je dis. Je suis allée à Abidjan l'autre jour. Une de mes... Elle me suit sur Facebook. On est devenus amis par la suite. Et là, elle me dit... elle m'a écrit, ça fait peut-être 3 mois. Elle me dit, j'ai pris une maison qui est bien plus grande, mais je m'en fous. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan, elle m'a amenée chez elle. Je t'assure, il y avait la piscine, c'était vaste. C'est vaste, en fait, parce qu'elle vit toujours là-bas. Et quand j'ai vu ça, la maison qu'elle a manifestée, un jour, je sais pas, je suis restée, j'ai commencé à penser à cela. Elle a dû prendre la décision que je vais prendre la maison de 1 million, 1,5 million.
Peut-être vous pensez que celle qui n'a pas payé son loyer là, puisqu'on a exposé sur les réseaux sociaux, il y a les gens qui paient les loyers plus que ça. Ça, c'était rien du tout. Il y a un qui paye le loyer de 2 millions le mois. Oui. Donc, j'ai venez surtout au Gabon. Le Gabon a les loyers. Hey, le Gabon. Aïe. Donc, je suis ressortie, je me suis dit, sûrement si elle est partie d'un endroit, elle paye peut-être 500 000 pour 1 million. Tu auras des batailles de pensée. Que, ah, tu es sûr que tu vas payer 1 million tous les mois? Ah, tu es sûr que tu vas t'en sortir? Tu vois un peu, non? Et si ça ne marche pas? Et si tu perds ton boulot? Tu auras honte, les gens ont commencé à dire que voilà, tu as voulu te montrer. Pourquoi tu n'es pas allé mollo? Écoutez, ah, la croissance spirituelle, il y a le challenge, tout ça. La croissance spirituelle a les challenges. Il y a des moments, par exemple, je prends certains engagements. Je me dis, ok, je lance telle chose. Par exemple, quand vous allez venir le premier à Makepe, j'ai encore d'autres choses que j'ai commencées. Chaque mois que vous venez chez moi, vous voyez un nouveau truc. L'autre jour, quand je suis arrivé à l'étranger, j'envoie une vidéo je sais pas, un design que je voulais qu'on fasse sur la barrière. J'arrive, quand je rentre, le carreleur me voit. Il dit, madame, que mon ancien patron faisait exactement comme vous. Quand il parle quelque part, il voit quelque chose. Il dit que casser là-bas, vous augmentez ça. Donc, tous les 3 mois, on changeait quelque chose à la maison. Et ça m'a ri. Il dit que quand tu as une énergie qui est toujours en train de. C'est comme la rivière. La rivière ne stagne pas. Et généralement, tu vas voir que ça va venir comme une idée. Tu restes sur ça là. Tu te dis, mais j'ai envie de faire ça. Prends ça. Ton local dans lequel tu fais ton business, c'est 100 000. Prends le local de 200 000. Bien sûr, 200 000, ce sera peut-être soit dans un meilleur quartier, soit ce sera dans un. Dans peut-être le même quartier, mais plus grand. Maintenant, c'est à toi. Je me rappelle, ça fait. Janvier 2023, j'ai pris. 20, janvier, j'ai déménagé encore. Janvier 2021, oui. J'ai pris le local quelque part. Là-bas, j'étais à 100 000 francs de loyer le mois. Et je me disais, oh my gosh, 100 000. Actuellement, les locaux que j'ai, je ne vais pas vous dire les loyers que je paye par mois. Partout, partout, là, quand ils comptent que. Et dans le spirituel, tu dois être constamment en train de grandir. Tu ne peux pas rester inerte pendant 5 mois. Tu dis que gna 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 gna. Tu sais quoi? Tu vas faner. Parce que tu as sans cesse envie de tester quelque chose de nouveau. Je parle aux gens qui vous me suivez depuis 1 an, vous n'avez jamais. Une fois m'écrit ce soir. Oui, je vous suis fidèlement depuis 1 an. Voilà, je vous ai écrit ce soir. Je lui ai fait un voice, j'ai ri jusqu'à. Dans 12 mois là, tu me suis, tu n'as jamais acheté un sel chez moi, mamie. Jusqu'à tu vois que tu applaudis, quand on applaudit pour qui? M'a foutu là-bas. Après, elle me fait le voice. Oui, mon téléphone s'était gâté. Il dit voilà. Vous voilà. Vous voilà. Et tu suis depuis 1 mois, 1 an. Si tu me suis depuis 6 mois, tu n'as rien fait de mes choses ou tu n'as rien pris. Désabonne-toi, pas. Parce que comme tu sors là, un nouveau client va entrer. Il va trouver ma page. Ce sont les lois spirituelles. Tous les 3-4 mois, je chasse les clients. Je vous chasse. Parfois, tu vois, si tu ne vois plus ma page. Débloque-moi, je ne te débloque pas. Ça suffit, non? Comme tu restes hors de ma page. Voyez votre business, votre vie, comme une maison, avec le nombre de places limitées. Quand quelqu'un reste sur une place, il doit chauffer la place là. Tu ne chauffes pas la place, sors de ma maison. Lève-toi, tu sors. Et quand tu sors même la place là, à la place, on va construire un endroit pour 10 chaises. Comme tu sors, ta chaise sort, on vient mettre 10 chaises à la place. C'est comme ça que moi je vois le business et la vie. Parfois, tu restes sur ça, un client qui te menace toujours.
Le genre de femme que tu sais que j'ai besoin d'elle. Parce que vraiment, ces 30 000 qu'elle me donne tous les 3-4 mois quand je fais ses cheveux-là, ça m'aide. Et tu écoutes mes vidéos. À un moment, je te dis, je veux plus la cliente là. Une semaine plus tard, tu as un problème chaud, chaud. Tu es coincé. Tu as besoin d'argent. La femme t'écrit. Bonjour, tu es disponible demain? Jesus. Tu tournes la tête comme ça là, tu dis, hey! Écoute, ne reprends pas la femme là. Parfois vous êtes testé. Parfois vous êtes testé. J'ai des lois spirituelles que j'ai découvertes seules. Personne ne m'a appris. Personne ne m'a appris. Les gens qui viennent souvent, rembourse-moi. Un jour, je suis resté pendant une journée. J'étais assis avec un de mes anciens collaborateurs. Collaborateurs, Ticona là. Oui. Les gens qui faisaient semblant d'être avec moi. C'est fou, on ne m'a pas trahi depuis 4 mois. J'ai pas de trahison depuis 4 mois, c'est fou. Hey, Jocelyne. Maman, j'ai passé 12, 8 ou 9 mois. Pendant la période où j'étais enceinte là. Maman, les trahisons de ça. Celui qui vient me montrer que telle personne m'a trahi, lui-même là, 2 semaines plus tard, il découvre sa part. J'ai eu au moins 6 personnes autour de moi qui ont ouvert leur visage comme ça là. Il dit que, yeah! Non, je faisais les directs, j'étais choqué seulement chaque jour. Je crois que Dieu me donne un peu la pause. I'm having a break. I'm having a break. Yes. Jesus. Donc, j'étais resté avec un ancien collaborateur, Chicken, là. Oui. Une femme me fait chier. Tu vois le genre de femme que tu travailles sur elle, ça ne marche pas. Son énergie est là, bizarre. J'ai bloqué récemment une comme ça. J'attends le jour où elle va commenter sur ma vidéo. Je suis qu'elle va l'attraper, elle va la bloquer sur mon Facebook. I go bloquer you, je t'ai dit. Ton nom commence par M. M-I. Tu as compris? Je t'ai bloqué. J'ai eu de la peine à faire le travail des gens pendant le mois de juin et début juillet. Ce qui fait que vous avez remarqué, vos lavages ont trop duré. C'est depuis déjà 2 semaines là que je décante beaucoup les gens. La dame reste. Oui, la période du porc. Maman, je voyais les porcs tous les jours dans ma vie. Tous les jours. Hey! Maintenant, ça va, on mange le bacon tous les jours. Petit déjeuner, je mange le porc. Je mange ça tout le monde, ça ne me dérange plus. Je reste avec lui, je lui dis que. Tu vois, la femme, si m'embête, non. Je vais lui rembourser son argent. Et je lui dis que, regarde, quand il va la rembourser, maximum 1 heure, l'argent va revenir dans mon compte. Mais sous une autre forme. Je m'assois avec lui en train de travailler. Je rembourse la femme. 30 minutes plus tard, 2 messages arrivent. 2 fois le montant qui est remboursé, la dame est pas est rentrée dans mon compte. Je prends le téléphone, lui montre, dit que tu as vu. Et j'ai même une autre loi. Quand un collaborateur dit qu'on sort de ma vie, ça veut dire qu'il y a deux. Maman, le genre de personne que je trouve sur mon chemin maintenant est. Hey! Seigneur, on peut avoir la faveur comme ça, hein? Il y a un papa à Abidjan là-bas qui m'a adopté. Il me. Maman, mais. Quand je le rencontre, ça fait 2 ans qu'il a perdu sa fille. Et si elle était en vie, elle aurait eu le même âge que moi. Le papa l'a même jusqu'à. Et il a un esprit tellement doux. Il fait dans la spiritualité aussi. Du premier jour que j'ai vu l'homme là jusqu'à aujourd'hui. Au départ, je me disais que ah, le genre de gentillesse là, ça m'embêtait. Maman. Depuis 1 an et demi que je connais l'homme là. Non, attends, 1 an et quoi? On s'est rencontrés en juin. 1 an, 12 mois, oui, 12 mois. Consistant. Jusqu'à même quand. Donc, il a une énergie là que. Quand tu peux pas faire un truc à temps, il dit non, ne te dérange pas, ça va pas, ne t'inquiète pas. L'autre jour, quand on s'est rencontrés à Abidjan, je vois la photo de sa fille sur son écran. Il demande que ça ne te fait pas mal d'avoir ton enfant sur ton écran comme ça. Il dit non. Au contraire. Si je ne l'avais pas sur mon écran, c'est ça qui me ferait mal. Et il a un sourire. Oh my God. Quand il pense à lui, ça me plaît même souvent. J'ai rencontré des gens qui veulent pour rien. Pour rien. Que non, ne te dérange pas, je vais t'aider.
Ceux qui sont partis à Abidjan pour chercher leurs choses. La dame qui vous donne les produits, c'est la secrétaire de ce monsieur. Il a dit que mais ma secrétaire, c'est là, elle fait rien en journée. Mais elle va te servir, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Quand je suis dans la ville, il dit, je peux t'aider, tu me fais n'importe quelle course, tu me dis. Tu vois, il porte sa grosse Mercedes, il fait, tu dis que papa, pardon, il dit que non, ne te dérange pas. Non, vous savez, même si on vous fait mal 50 fois, hein, sachez qu'il y a les bonnes personnes là-dehors. Je vous dis. Il y a les belles personnes là-dehors. Parfois, tu peux ouvrir, tu ouvres 50 sachets. Tu vas tomber sur 40 sachets qui sont bizarres. Mais le 41e là, ce sera le bon. Oui. Maëlys et Noëlla qui vous faites vos conversations dans mon direct là. Vous dites, vous êtes en train de distraire les gens de la classe. Je vais vous mettre au Babia. Ou c'est au Shabbat, voilà. Au Shabbat là-bas derrière. Vous avez suivi, non? Je vais vous punir. Il faut même que vous écrivez les noms des bavards. On doit mettre, on va mettre bis. Que bis, voilà. Mince. Quand quelqu'un veut sortir, ça veut dire que le temps de faire de l'espace est arrivé. Laissez-les sortir, chassez-les même. Ouvrez la porte, vous poussez-le derrière, ils sortent, ils partent. Il y a des gens que je ne savais pas que je peux continuer ma vie ou mon business sans eux. Et c'était le genre de personnes qui venaient, ils deviennent envahissants dans le business. Il fait tout. Il veut seulement tout prendre. J'ai dit que easy, mollo, mollo, mollo. Quelques temps plus tard, ils sont la casquette de Decepticon. Parce que moi, je crois toujours que quand celui qui est gentil, que celui qui est pour toi restera pour toi. Quand c'est pour toi, ça prend son temps que ça va prendre, mais c'est là. C'est ça. C'est ça. Il peut y avoir des personnes qui ont profité de ton onction. Et ces personnes-là ne savaient pas qu'elles profitaient, que c'était de ton énergie qui leur donnait l'énergie. La reine Sylviane, prend le nom de Bava, pardon. Il y a écrit à Noëlla sur ça, tu mets fois deux. Tu mets Maëlys, tu mets fois deux. Les deux là bavardent beaucoup. Elles bavardent trop. Votre punition, on va vous coxer. On va vous coxer. Les coxages, c'est votre punition. Coxage. La personne ne sait pas que là où elle est là, elle profite de ton énergie. Et je vous dis toujours, ne laissez pas les gens vous faire douter de ce que vous portez. Moi, j'ai des règles de base dans ma vie. Dans la mesure du possible, je ne sors pas d'une maison, je ne sors pas d'une relation, d'un endroit avec de mauvais termes avec les gens. Même si je dois te renvoyer. Hein? Même si je dois te renvoyer. Je compte ton argent le même jour, je te donne. Le seul, c'était un tentamant là qui vient à mon entreprise. Il voulait montrer que j'étais arrogant avec tous mes employés. Talentueux, comme un lion. Mais il croyait que comme il est le lion là, un lion mort ne vaut pas. Un chien vivant vaut mieux dans mon entreprise qu'un lion mort. Il grondait les petites filles. Vous avez vu qu'il y a des petites. J'ai beaucoup de jeunes filles dans mon entreprise. Et ce sont des visionnaires comme moi. Donc, je ne vais pas vous mentir. Quand quelqu'un m'approche, à part Monsieur Abbé Solo, quand il voit que tu es un peu âgé là où tu es un peu. Tu veux montrer que tu es trop compétent. Il dit, manque, easy, 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 easy. Ralentis d'abord. Il insultait les petits. Il traumatisait les filles là dans l'entreprise. Parce qu'il avait un peu le talent. Le jour où il est renvoyé, je lui donne son salaire, il se fâche, il sort pas. Il dit que ça peut aider même les orphelins là-bas. Ça ne dérange pas. Laisse-tu pas. Et ce sont des lois spirituelles. Il y a la maison. Ne déménage jamais d'une maison que tu as laissée, c'est sale. J'ai pris une maison récemment. Maman, la merde que la personne a laissée dans la maison. C'est pour ça les énergies, vous bloquez les énergies dans les maisons. Quand tu sors de la maison de quelqu'un,
Nettoie. Nettoie jusqu'à l'étoile d'araignée, même en haut là. Balaie bien. Même les poubelles, tu ne laisses pas. Pomme même les poubelles, tu peux pas les jeter. Comme ça, quand la personne entre dans sa maison, il est content. Être choisi, c'est pas seulement que tu fais les choses parce qu'on va voir. Ok, comme tout le monde me voit en ligne. Quand, non! Le spirituel, ça a plus d'impact sur les choses qu'on ne voit pas. Tu sors le chien du trou, c'est lui qui te mord. Ah ben oui, ma chérie. Toujours laisser propre. Tu embauches quelqu'un, ça ne va pas avec lui. Tu lui dis que papa, je te dois combien? Prends ton argent. Bye bye. Pas les affaires que quelqu'un me dit que j'ai fait 7 mois quelque part, on m'a pas payé. Et tu faisais quoi là-bas? Hein? Oh. Bien sûr, le mauvais côté de ça, c'est que j'ai appris une leçon au Camerounais. Je ne donne plus la promotion. Je ne me donne plus de promotion rapide à mes employés. Même si tu travailles et que la valeur, parce que règle numéro 1 dans mon entreprise, tu m'apportes de la valeur. Tu m'apportes pas de la valeur, on a rien à faire ensemble. Qui que ce soit que tu es dans ma vie, tu es mon gars, oh, tu m'apportes de la valeur. Employé, oh, tu m'apportes. Même mes enfants, j'ai une relation d'intérêt avec mes enfants. Oui. Même mes enfants, je leur dis cash. Cette condition là que tu apprends que quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu m'apportes quoi, je t'apporte quoi. Tu seras à l'aise. Et non plus la promotion rapide aux gens. J'ai eu des jeunes qui sont arrivés là. Tu vois, ils bossent bien. Waouh, premier, deuxième, troisième mois. Bon, maintenant, je dis que bon, il peut quand même lui donner plus de responsabilités. Non, non, je t'emploie d'abord au moins 4 mois. Je te mets sous pression. Je vois, tu peux rester une journée au salaire, tu m'apportes, tu travailles, tu m'apportes 1 million. La fin du mois, je te donne 80 000. Je vois ta réaction. Mais, ne sois dans la caisse ici, là. On avait vu l'autre jour 500 000, hein, 800 000. Combien elle me donne toujours mes 4. Notre accord de départ, c'était combien? C'est 80 000, non? N'est-ce pas? D'accord. J'observe ta réaction. Quand tu reviens le mois prochain, est-ce que tu travailles encore avec le même, la même envie? Parce que l'être humain est bizarre. Hein? Supposons, les gens, les bailleurs au Cameroun n'aiment pas trop le Airbnb. Pourquoi? Il te loue sa maison. Il dit, paye-moi 150 000. Tu dis, d'accord. Il sait que tu ne fais pas d'argent sur ces 150 000 là, hein? Il est OK avec toi. Même si tu mets le Airbnb, il voit, tu fais 1 mois, 2 clients viennent. Il est OK avec toi. Ma chérie, commence à avoir 7 clients pour les 7 jours de la semaine. Je t'assure, tu ne vas pas faire 2 mois dans l'endroit, il va te chasser. Ça, c'est un truc chez l'homme, l'être humain qui n'a pas encore compris. Il va calculer, il va prendre sa calculatrice. Si par nuit, le client lui donne 25 000 et ils viennent pour 5 jours par semaine, ça fait 125 000 la semaine. Fois 4, ça fait 500 000. Et elle me paye 150 000. Non, ma fille, faut sortir de la maison-ci. Et dès que tu sors, le lendemain, tu vois, il a fait le Airbnb sur place. La méchanceté de l'homme noir. Ah, Seigneur. L'être humain n'aime pas te voir progresser. Supposons que tu envoies tes produits à quelqu'un. J'ai plein de personnes avec lesquelles j'ai fait mes collaborations de produits. Elle reçoit tes produits. Elle l'envoie aux gens, elle poste. Vous vous accordez bien, hein? Ok. Par colis que tu postes, tu auras peut-être 10 euros. Elle n'a pas de souci. Attends un peu, quand elle va voir, peut-être que par semaine, tu vends les produits peut-être même de 400, 500 euros, 800 euros. Après, elle va rester, elle va faire tac, tac, calculatrice, tac, 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 tac. Sur 400 euros, elle me donne seulement 40 euros.
Non, 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 non. Alors que c'était votre accord de départ. C'est au fil des années que j'ai commencé à comprendre que j'ai la main du business. J'ai la main du business. Quand Dieu me donne une idée, c'est ça, quand tu arrives dans ma vie, la première chose que je te dis, si j'ai mon idée sur quelque chose, ne me décourage pas. Que tu sois mon mari, que tu sois mon enfant, même mes filles connaissent. Que tu sois mon enfant, que tu sois mon employé, leur choix, ferme ta bouche. J'étais en Angleterre, quand ils commençaient les sous-locations, je passe dans le quartier comme ça là. Je vois une maison abandonnée, 7 chambres, peut-être 5 chambres. Cassée, cassée, gâtée. Je me rappelle une maison particulièrement, c'était à. Oh my gosh, j'ai oublié le quartier de l'Angleterre là. Oh my gosh. C'était quelque part vers Péribas comme ça là. Aston. Aston. C'était à Aston. J'ai pris la maison d'un Pakistanais là-bas. Mais j'ai trouvé que ces gens étaient très, très injustes dans le business. Donc, quand je pense à la maison, c'était là comme ça pendant au moins 6 mois. Personne ne louait. Tu vois, parce que chaque fois, je voyais la plaque, je voyais la plaque. Donc, j'appelle l'agence, je demande à visiter, je vois que bon, les gens n'ont pas loué parce que c'était trop gâté, il y avait trop de travaux à faire. Donc, ça a découragé les gens. Donc, je pars, je vois le bailleur, je dis bon, moi, je vais louer ta maison et je vais la sous-louer. Je me rappelle cette maison particulièrement. C'est parce que je n'ai plus les photos des anciens travaux que j'avais fait. Je prends la maison. Je me donne pour objectif 2 semaines. J'avais ma stratégie. Je coiffais. Donc quand elle coiffe comme ça, là, j'avais un peu d'argent. Par mois, elle ne pouvait pas manquer au moins 1 500 pounds. Je ne mangeais pas mon argent. Hein. J'investissais mon argent. J'avais 24, 25 ans. Hein. Ah, yeah. Je ne pouvais être que riche. Hein. J'ai tout cherché l'argent dans ma vie. À 22 ans, je faisais les conteneurs. 22 ans. J'arrête de faire le conteneur à 23 ans et demi. Je cherchais le conteneur 40 pieds. 5 voitures. Je me vois la nuit, on part à Newcastle, on cherche quelque chose, on revient avec à Birmingham. 8 heures de route. On part à tel endroit, on cherche, on revient avec 23 ans. Amben, sans papier. Mais j'avais le cœur. Il n'est pas les papiers. Il n'est pas les papiers. Tu n'as pas les papiers, tu crois que c'est nouveau? Moi, qui là-bas. Elle me suit même d'abord, elle ne me suit plus. Paresseuse. Bon, continuons. Me voilà, prends la maison du monsieur là. La maison. Donc, il y a des endroits du sol que c'était carrément cassé, creusé. Tu vois la terre. La cuisine était dégueulasse. J'ai pris la maison. Je peux dire que 70% du travail, c'est moi qui avais fait. Donc, avec mes mains, hein. Jacques, je travaille dans la journée au salon de coiffure. Je rentre le soir. Quand il cherche l'enfant à la garderie, elle partait à la garderie seulement 2 fois ou 3 fois la semaine. Donc tout le reste du temps, elle était avec elle. Et quand elle partait à la garderie, comme ça, les Anglais ont un système que le gouvernement offre une garderie gratuite. Ça ne t'aide même pas parce que on prend ton enfant pour 4 temps. Tu peux faire quoi en 4 temps? On dit que l'enfant vient à 8 heures par 12 heures. Ça, c'est des bêtises. Faux trucs comme ça Ouais, Seigneur. Donc. Tu vois, tu pars déposer l'enfant. Aussitôt que tu rentres, tu te tournes du lit comme ça là. Ding, 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 il faut que tu parles à chercher encore. Donc, je me rappelle très bien, on tente de peindre une des chambres en haut. Et cette nuit-là, j'avais donné un peu le pinceau à l'enfant. J'avais demandé qu'elle parte peindre son côté. Elle avait 3 ans. 3 ans et demi comme ça. Elle tente de peindre sa page. J'avais mis Napoléon Hill. Ça jouait. Réfléchissez, devenez riche. J'étais en train de jouer. Et j'étais en train de peindre moi-même. Donc, quand on rentre le soir à la maison. Je pouvais faire la peinture de 18h parfois jusqu'à 23h. Et parfois, je me donnais des objectifs que je prends. Et les pièces des maisons étaient très grandes, par contre. Je avais une pièce très grande. Donc, je faisais toute la peinture seule. J'avais appris à faire avec les pinceaux, les edges, les corners. Like, pour apprendre à faire quelque chose, je te paye d'abord. Je demande que tu peux peindre la chambre, c'est à combien? Il te dit peut-être que donne-moi 100 pounds. Je lui dis qu'on part où acheter la peinture. Il m'amène dans ces endroits. Il voit comment il achète, il voit le genre de peinture qu'il achète, il rentre. Pendant qu'il tourne la peinture, je vois comment il mélange.
Je vois, parce qu'elle n'avait pas l'argent pour faire toutes les 5 chambres. Je vois Ami mélange, je vois le matériel qu'il achète. Il vient, il fait. Pendant qu'il est en train de faire la première chambre, je viens, je regarde. Je regarde comment il fait. Je regarde, je regarde, je regarde. Après, maintenant, quand il finit, je l'ai payé pour une chambre. Il reste, il croit qu'il va m'appeler, qu'il va l'appeler pour venir faire les autres chambres. Je ne l'appelle pas. Je viens, me mets, je fais comme il a vu, j'ai vu, il a fait là. Je fais, je fais, je fais. J'ai arrangé la maison du monsieur là. Décoré, j'avais les couleurs. Je mets le vert citron sur le mur. Je prends une chaise qui est rouge. Vous savez que Ikea avait les sofas, avait le tissu qu'on change là. Maëlys et Noé là, je vais vous bloquer. Je vais vous taper même d'abord. Vous avez la chance d'être loin de moi. Je vais vous taper. On va vous fesser, on va vous mettre devant les gens, on va vous balancer, on va vous fouetter. Donc, quand je faisais les décos, je faisais des décos contemporaines. Je passais beaucoup de temps sur soit sur eBay, soit sur, on appelle ça comment? C'est un peu comme le bon coin des Français. Chez les Anglais, on appelle ça Gumtree. Donc, Gumtree, c'est là-bas que si tu as un truc que tu veux plus utiliser, tu mets. Donc, à l'époque, ça fait au moins 10 ans, c'était eBay. Il y avait eBay, il y avait Gumtree. Donc, je cherchais beaucoup mes choses là-bas. Les lits, par exemple. Parfois, ce qui est bien avec les Anglais, c'est que si un Anglais achète quelque chose à 1000 pounds, il utilise un an. Il peut te vendre ça à 50 pounds. Pour lui, il a utilisé la valeur de ce qu'il a acheté. Le Français achète à 1000 pounds, il fait 5 ans avec. Il va vendre à 900, 990 pounds. Excusez-moi, les Français. Vous avez pris pour vous de balles perdues. Ah, Seigneur. Donc, parfois, tu tombes, tu tombais, tu vois, une femme a dit qu'elle veut redécorer sa maison. Tu arrives chez elle d'abord, c'est en Angleterre aussi que j'ai vu les belles maisons. Tu vois, quelqu'un prend sa maison, elle décore, elle arrange. Quand tu disais qu'elle refait la déco, elle dit, oh, I don't like it anymore, I don't like it. Tu vois ce qu'elle dit qu'elle n'aime plus comme ça là, que c'est beau, c'est encore bien. Donc, c'est comme ça que j'ai ramassé les choses pour décorer. Et j'avais un monsieur là qui conduisait le van. Le van, c'est les gros véhicules qui portent les déménagements là. Donc, parfois, quand je donnais 20 pounds, il peut porter ma chose. C'est en France que j'ai trouvé très difficile de trouver les grands véhicules pour porter les choses. Donc, il portait mes affaires, il venait mettre dans la maison. Ne vous dérangez pas, j'ai déjà la psychologie de tous vos gens là, la psychologie, la mentalité. Donc, c'est comme ça que je décore la maison du monsieur. Le trou qui était dans la maison là, on avait cimenté ça. On avait carrelé la cuisine. On avait, et devant ça, j'achetais. Donc, quand je fais ça, je me balade en ligne le soir, quand il finit de faire la peinture. Vers 23h en dormant, en me couchant, je regarde, je regarde, je regarde, j'appelle, je demande est-ce que c'est encore disponible. Le lendemain, j'organise le gars du van. Il part, il porte. Parfois, on partait à Coventry, Wolverhampton, dans les villes voisines, là, peut-être à 30-45 minutes de route. C'est pour ça que j'ai aménagé l'endroit. Et j'avais une technique. J'ai pris une maison de 5 chambres. Je commence d'abord par finir les travaux dans une chambre et dans le salon. Maintenant, je mets en ligne. La personne là va venir voir la chambre. Elle va voir le salon, que c'est la bien et la cuisine. Parfois, même pendant que je suis en train de faire les travaux, je commence à faire les visites. Donc, je commence les travaux parce que c'est que c'est après, même à 50%. Parce que quand c'est trop sale, si la personne vit, elle ne va pas aimer. Donc, je fais maintenant les visites, vous voyez. Et ceux qui venaient beaucoup, c'est les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Les gens qui venaient d'arriver en Europe, le temps, en Angleterre, le temps là. C'est à l'époque, c'est maintenant là que c'est un peu changé. Donc, quand ils arrivaient, ils voulaient seulement bosser. Et quand ils quittaient de leur pays, généralement, ils quittaient avec peut-être un truc comme 1500 euros. Donc, l'argent pour payer un peu de loyer et chercher le boulot. Et c'était des gens aussi qui payaient bien. Par contre, beaucoup d'Anglais étaient sur les benefits. Oh, do you take benefits? Je n'aimais pas parce que c'était le gouvernement qui devait payer. Je n'aimais pas ça. Donc, moi, ils prenaient généralement les Italiens, les Espagnols. Et je savais que ces personnes-là bossaient. C'était généralement les serveuses. Beaucoup vont me voir sur TikTok et vont me connaître. J'ai côtoyé beaucoup de personnes en Angleterre. Beaucoup. On m'a dit au fil de peut-être 5-6 ans de sous-location que j'ai fait, j'ai côtoyé beaucoup de personnes. Donc, et mes pires locataires, c'était les Anglais. C'était les gens même du pays. Parce qu'ils étaient un peu gâtés. C'était des gens gâtés. Ils ne comprenaient pas le hustle. Ils ne savaient pas que tu étais là pour ton pointage. Donc, quand je fais les visites, vous regardez, je loue d'abord la première chambre. Quand tu vois ça t'intéresse, je te dis que la chambre sera prête dans 5 jours. Je te dis donc, avance-moi la caution pour réserver. Tu me donnes 300 pounds. Les 300 pounds que tu me donnes, ça me permet d'acheter les meubles pour mettre dans la deuxième chambre. Et
finis aussi les travaux. Donc, le jour où tu aménages, tu paies encore 300 pounds. Les 300 pounds-là me permettent encore d'acheter plus de choses pour mettre dans la cuisine. Donc, ça qui fait que généralement, avec un budget de 1800 pounds, je pouvais prendre une maison, je la refais totalement. Et quand je prenais la maison gâtée, je disais au bailleur, bon, le prix est réduit parce que la maison est gâtée, premièrement. Deuxièmement, quand on prend, je demande 2 semaines pour faire les travaux. Ce qui fait que les 2 semaines ne sont pas comptées. Ça me permet de faire mes visites, ça me permet de faire tout. Et dernière chose, quand je prends la maison, dans le business, c'est ça qui m'a fait apprendre à faire avec les moyens de bord. Ce qui fait qu'un business que tu as besoin de 10 000 pounds pour commencer, je peux commencer avec 1 800 pounds. Parce que je mets le mindset sur ça. Il n'y a personne pour me financer. Il n'y a personne pour me donner l'argent. Vous êtes folle. Depuis 5 ans, là, qui a apporté l'argent pour y te donner? Un bailleur, une fois, m'a regardé. On s'est dit que tu es trop jeune. Je peux pas te confier la grande maison si. J'ai dit, monsieur, faites-moi quoi. J'ai marché derrière un juge là pendant 2 ans pour qu'il me donne sa maison. 2 ans. Ouais, j'espère que le père là n'est pas là mort. Il faut que j'ai son numéro, je l'appelle. Ah, le papa a été très gentil. Le juge m'a donné sa maison. Il a dit qu'il va pas regretter. J'ai arrangé sa maison jusqu'à. Donc, c'est comme ça que je prends. Quand je prends ta maison au départ, en attendant de faire les 2 semaines de travaux, je te donne seulement la caution. Je te donne pas le premier mois de loyer. Je te donne rendez-vous pour. Supposons que je prends ta maison le 20 ou le 10 ou le 15. Je dis que dans 2 semaines, on se voit pour signer le contrat et je te verse le premier mois de loyer. Dans les 700 pounds que je t'ai donné, je garde mes autres 700 pounds. Je peux acheter le matériel et de quoi aménager la première chambre. Et dès que tu me donnes la clé, si tu m'as donné la clé à 15 heures, crois-moi, à 18 heures, il y aura déjà la peinture que j'ai déposée là-bas pour commencer à travailler. Et peut-être le soir, là, je vais même commencer déjà à enlever le papier peint quelque part. Bête dans le business. Non, tu sais. On va d'abord prendre le temps. Non. Les jours, quand tu fais dans les logements, chaque jour qui passe, même si tu n'as pas locaté dans la maison, tu perds de l'argent. C'est comme ça qu'on réfléchit dans le business. Non, c'est comme c'est moi qui ai construit là. S'il n'y a pas de locataire, ma chérie, tu perds. C'est comme ça que fonctionne mon mindset. Ce qui fait que tu me donnes la clé à 14 h. 18 h, j'ai à déposer la peinture. Le soir, là, je vais encore faire même 2 heures. C'est pour ça que j'ai appris à fonctionner très rarement avec les gens dans mon business. Très peu de personnes avec lesquelles j'ai eu à collaborer ont le mindset. Il n'y a qu'un seul monsieur avec lequel je suis en train de faire business finalement. L'homme-là est réglo dans ses choses. Il connaît le pouvoir de la délégation. Il se lève le matin. Parfois, le test, non. Parfois, le test. Parce que dans des collaborations avec les gens, il y a des niveaux. Ok, peut-être le mois, si on fait les collaborations d'un million, je vois comment tu t'en sors. Après, on monte à 5 millions. Je vois comment tu t'en sors. Après, on monte à 10 millions. L'homme-là, c'est un homme de parole. Il te dit que, il se lève le matin, il te dit que, ne te dérange pas, on va déménager tout l'endroit, on va vider l'endroit sur aujourd'hui. Il passe, si c'est 15 appels qui passent où? Telle personne vient, pendant que celui-là enlève le papier peint, l'autre démonte ça, l'autre fait ça, après, il fait l'autre vient nettoyer, après, l'autre vient porter avec la maillot. Il dit que. C'est le genre de personne là dont vous avez besoin. Quelqu'un qui va match ton énergie. Et ne prêtez pas l'argent aux gens qui n'ont pas les business. Ça, c'est une leçon que j'ai appris très durement cette année 2022. Je ne prête plus l'argent à quelqu'un par amitié. Oh, ma bestie, toi, t'es ma bestie, toi, t'es ma besta. I don't want to know, girl. Quand tu as fait tes dépressions, tu ne vas pas me rembourser. Et quand c'est ça, ce n'est même pas que tu n'as pas. Prête l'argent à quelqu'un, tu sais que il a les business, que chaque jour l'argent entre dans sa poche. Chaque jour l'argent entre. Chaque jour. Tu as mal au corps, tu n'as pas encore vu. Je vous donne les leçons de vie. Laissez-moi ça. J'ai 50 vies. Je suis jeune, mais j'ai beaucoup de vie. J'ai dit beaucoup de vie. Tu dois faire le genre que tu sais que c'est le genre des personnes que, même si vous ne vous a, il n'arrive pas à te rembourser. Tu pars dans son lieu de business, il porte la recette de chaque jour, il te donne. En 2 semaines, il a remboursé ton argent. Oui, 2 semaines, il a remboursé ton argent. Parce que par jour, ses business font au moins 800 000 de revenus. Donc tu t'assois à la caisse, tu dis que monsieur, donnez-moi les 400 000 aujourd'hui.
Demain, tu peux encore, tu prends 400 000. Après-demain, tu peux encore, tu prends 400 000. Pas j'ai l'impression que quand tu penses que. Même seulement lui dit que donne-moi mon argent, tu as les maux de tête. Elle commence à te dire que ouais, tu vois, ça n'a pas donné. J'ai quelqu'un comme ça que j'ai rencontré récemment. J'ai voulu faire affaire avec la personne. J'ai testé pour voir. Je prends la personne, tout ce qu'on fait chaque jour, c'est je règle la personne, tac. Je règle la personne, tac. Je règle la personne, tac. Il commence à croire que je suis bête. Mais il ne sait pas que j'ai déjà fait des erreurs au Moutoukou. J'ai trop fait ça. Maintenant que j'ai finalisé un truc, je le laisse de gérer deux de mes placements. J'ai dit que, ok. Tu vois, quand il est habitué que. Ah, elle restait sur l'argent tous les jours, non? Il me dit, prête-moi 100 000 francs. Voilà, il y a le premier feu rouge. On ne fait pas affaire avec quelqu'un qui a besoin d'argent. Ça veut dire que tu vas lui donner des choses de garder. Il peut piocher dans ton argent. Vous allez me dire moi, merci plus tard pour les tuyaux que je vous donne. Vous allez me dire merci. Dès que tu as. Ouais, donne-moi, prête-moi. Il m'a fait ça, ce prête-moi-là, ça fait combien de temps? Là, avant-hier, j'ai quelqu'un avec qui je fais un autre couloir. J'ai trop de couloirs de business. On a commencé le business. Why you calling me? Il reste, il m'appelle, il me dit, je n'ai pas payé ma secrétaire. Je dois payer ma secrétaire demain. Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Fais-moi une avance sur le business que tu dois me payer là. Je lui ai dit cash. Non. Ça m'a plu, ça avait le goût. J'ai dit non. Quand il finit ça, j'ai dit, on applaudit Vuki. Vuki, Vuki. On applaudit Vuki. Hey! Hey, hey, tic, 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 tic. Ah! Ah! Oh, ça avait le goût. En tout cas, continuons nos bavardages. Ah, aïe, aïe. Donc, cette personne qui m'a demandé de lui prêter 100 000 francs, c'est un ancien succès. Vous savez qu'on n'est pas impressionné par les anciens succès. J'avais, j'étais, je partais. Il me dit, je vais te remettre l'argent mercredi. Il gère un couloir, tac. Il me donne le reçu de paiement, il donne tout ça, tac, 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 tac. Je vois. Deuxième truc, il gère, tac, tac, tac. Je vois. Mercredi arrive. On est vendredi, non? On est vendredi, ou on n'est pas vendredi? Maman, la notion du temps, on est quand? On est vendredi, on est vendredi. Tac, tac, je regarde. Mercredi arrive. J'observe. Le soir arrive, il ne dit rien par rapport à l'argent. J'ai dit, il met d'abord un dans la case que tu as raté. Le lendemain. Chap, chap. Parce qu'il fallait que 24 heures passent. Parce que tu connais déjà la personne en nom. Tu as demandé à 23h30, il m'a dit que non, j'avais l'intention de te donner ça. Le lendemain, je lui demande. Oui, mon argent, que tu vois que tu m'as dit l'argent hier, non? Oui, non, j'attendais l'argent que quelqu'un me paye. Elle ne m'a pas payé. C'est pour ça qu'elle n'était pas. Elle dit que oh, tu as raté le test. Tu as raté le test. Tu as raté le test. J'aime quantifier et clarifier toutes mes relations. Tu me sais à quoi tu es qui dans ma vie. Tu m'aides. On passe. J'aime partir avec certaines personnes sur base de contrats quotidiennement. Tu me sais, je te paye. Tu me sais, je te paye. Fin de la journée, je te paye. Fin de la journée, je te paye. Pap, basta, tu es parti. Si c'est contrat mensuel. Voilà, j'attends un argent là. J'ai horreur de la phrase là. Et quand tu me demandais l'argent là, j'ai sorti ton argent. Cash, je te donnais. Hein? Tu as demandé, tu as demandé l'argent à 8 heures. Je t'ai dit que demain, tu auras ça à 8 heures. Tu es venu à l'heure, je t'ai donné ça net, cash 4, donc. J'attends un argent là, tu es fou. On est vendredi, il m'a pas encore de l'argent là. Et kahakabum. Vous pensez que je peux prolonger, je peux faire un truc avec lui, je peux plus. Ce genre de personne que si quelqu'un te fait un paiement. On dépose l'argent dans son compte, ma chérie. Peut-être qu'il a même les dettes dans son compte là.
Ton ventre, il n'y a pas encore vu. Non, 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 non. Apprenez à être réglo avec les gens. Vous allez voir que vos business, les gens vont vous payer. Vos clients vont vous payer. Souvent, quand les gens me voient faire, c'est quoi que je suis bête. Tu prends quelqu'un sur ta fin de la journée, tu sors ton argent, tu payes. Tu appelles le chauffeur pour la journée, fin de la nuit, tu sors ton argent, tu payes. Il croit que tu es bête. Non, tu n'es pas bête. Tu attends un agent là. Un agent là, c'est le nom de qui? Non. Donc, je reviens sur ma maison que j'avais arrangée là. J'ai arrangé la maison du monsieur. Et l'affaire de maison aussi là. J'ai donné 9 millions à quelqu'un. En moins de 3 semaines depuis, là, il attend. Ton histoire me fait rire, excuse-moi. Depuis là, il attend toujours un agent là. Depuis 2020. Mamie, tu sais quoi? Fais-lui l'absolution, la grâce. Pardonne-le, tu l'enlèves de ton énergie, de ton esprit. Il y a des gens qui restent souvent comme ça là. Un jour dans le direct, il y a un gars qui est revenu. Il m'écrit fort fort. Finalement, je ne lui avais pas parlé. Hein. Parce qu'à l'époque, il faisait genre. Tu vois quand même sur les statues, il avait sa femme. Et c'est le genre de femmes qui sont collées comme ça là. Tu apprécies, waouh, c'est beau. Il vient en inbox, il commence à te draguer. Il commence à te draguer. Donc il a commencé à me draguer. Moi aussi, j'ai fait. Après, il m'envoie ses enfants. Il envoie ses enfants dans mon centre. J'avais déplacé un de mes chauffeurs. J'ai payé le transport pour qu'on puisse prendre ses enfants pour venir, qu'ils viennent au centre. Il travaille sur ses enfants. Après, il finit. Hop. Quand il faut me payer, il commence à dire qu'il attend un agent là. Un agent là, c'est qui? En fait, c'est le nom d'une fille. C'est quelqu'un qui. C'est un banquier. Un agent là. C'est quelqu'un qui porte l'argent avec lui. Que j'attends un agent là, il va me donner l'argent. En tout cas, il me dit ça. J'ai marché derrière lui un mois. Un jour dans mes méditations matinales, Dieu me dit, toute personne qui te doit l'argent, libère-les de ton énergie. J'ai dit, ah, Seigneur. Et à l'époque, pour moi, les sommes étaient très. Les sommes que je vois petites maintenant, c'était pour moi, c'était beaucoup. Ah, Seigneur. J'ai écrit au gars à l'époque, j'ai dit que ne m'appelle plus jamais. Que je te bloque. Et l'argent, là, je ne te pardonne pas avec. T'es en 2021. Quand elle fait ça, généralement, les semaines qui suivent, l'argent qui entre dans ma main, l'argent qui touche ma main, c'est comme si en fait le fait de penser à cette personne-là et de penser à ton argent dans sa main, ça bloque ton énergie qui est en train de vouloir partir dans le futur. L'autre jour, il revient à mes directs. Il me trouve, je dois te parler, je dois te parler, je dois te parler. Je le reconnais, j'ai dit que c'est toi. Il dit oui, c'est moi. Pardonne-moi. Et j'ai dit que. Hey! Il est venu sur WhatsApp, il est bloqué. Moi, j'ai compris qu'il y a des gens qui ne changeront jamais. Donc, moi, je peux te pardonner pour que tu sortes de ma vie. Mais il ne te pardonne pas pour que tu reviennes encore pour me faire la même chose. Je te pardonne, t'es béni. Il dit que mamie, que ça accouche des enfants dans ta poche. Bye. Bye bye. Donc, je reviens sur le Pakistanais. Si j'arrange sa maison, je commence à louer aux gens. J'ai fait 6 mois dans la maison là. Après, il vient visiter, il regarde comment j'ai arrangé. Après, il commence à me dire que bon, voilà, je veux maintenant reprendre ma maison. C'était le genre d'héritier là. Le genre qui a hérité les affaires de ses parents. Maman, le monsieur là m'a pris sa maison. Ça m'a fait mal. J'avais mis mon cœur sur ça. Qu'oh, il doit boucher. On t'a fait la tontine! Maman! J'attends quelqu'un qui attend la tontine depuis quelques semaines pour mon agent. Dans 2 semaines, il vient me dire que le. Why is he hitting home so much? Pourquoi ton histoire là me touche trop comme ça là? Maman, la femme là m'a sorti l'affaire de tontine. Et ne prête jamais l'argent à quelqu'un pour qu'il relance quelque chose qui est tombé. Prête pour qu'il agrandisse quelque chose qui marche déjà. Ne prête pas pour qu'il lance quelque chose qui a chuté. Tu me suis, non?
Ok, mon business marche déjà, je vais agrandir le côté-ci. Go Hakabu. Oh, you are, go Hakabu. Mais ne me dis pas que, voilà, je suis à la maison comme ça parce que mes activités ont chuté. Je suis tombée. C'était à cause de. Tu avais trop de problèmes, comme si les problèmes l'empêchaient de venir s'expliquer. Oui, non, maman, tu te rappelles aussi de lui, hein? Oui. Non, 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 non. Il y a des gens qui, ils n'ont plus le droit de vibrer dans votre vibration. Ils n'ont même plus accès à ton téléphone. Ils n'ont plus le droit d'écrire quand tu lis leur message. Eric, ils n'ont plus le droit de t'écrire, tu lis leur message. Quand je vous parle comme ça, là, Dieu est en train de me dire, il y a deux personnes que Dieu me dit que je dois les enlever de ma vibration. Le genre que les gens ne m'écrivent plus jamais. Je leur fais cadeau, je dis que je te bénis avec. Voilà, Sadia. Même si tu es dans le fond. Si mon argent reste dans mon compte bancaire, ça va faire quoi? Et que ça va mourir. Tu as vu une banque qui t'a dit, oh madame, nous sommes désolés, nous annonçons la mort de vos 20 000 euros. Vous voyez, madame, c'est trop resté en inertie dans le compte, voilà. Il collapse, you know. Ça a eu l'arrêt cardiaque. Non. Non. Il y a des leçons que parfois tu digères. Et les gens croient toujours que quand tu as du succès, ça veut dire que tu n'as jamais eu d'échec. Ça, c'est faux. C'est vous dire le nombre d'argent qu'on m'a déjà pris en 12 mois. L'argent que j'ai perdu. C'est pour ça que je n'aime pas raconter mes histoires aux gens. Parce que quand tu vas raconter, la personne va dire que oui, voilà, c'est pour ça que je t'avais dit. Non, non, ne le fais plus jamais. J'ai dit non. Je vais que faire. J'ai appris, j'ajuste mes plans. Mais le business, c'est savoir aussi prendre les risques. Ah, ta fille dit merci pour son lavage. Hein. Bonjour la fille de Flore Aimée. Vos 100 millions ont eu un AVC. Ouais, Seigneur. Nous sommes désolés, madame. Le pouls ne fonctionnait plus, madame. On a dû faire un massage cardiaque. Jamais. Never. Quand ils viennent te demander l'argent, ils sont doux. Mais quand c'est pour rembourser, ils sont arrogants. Ils veulent te prendre pour pas les sentiments, maman. Maintenant, vous devez comprendre que chaque échec a sa leçon. Et il y a un jour, il y a ce truc-ci qui me permet beaucoup d'avancer dans le business. Dieu me montre un jour que, regardez, tu as fait une transaction avec quelqu'un, ça fait 2 ans. Tu as acheté les terrains, il devait te donner tes terrains. Il n'a pas donné. Tu as acheté un de 20 millions. Il a fait comme ça là. Il t'a feinté. Si les terrains là devaient te donner un bénéfice de 20 millions au-dessus et que c'était en 2021, tu es en 2023, ton énergie vaut 40 millions. Tu me suis. Je sais pas, j'essaie de me raconter, de donner les mots pour que vous voyez l'énergie que le Seigneur m'a montrée. Que même les US, c'est le pays le plus endetté. En tout cas, c'est les dialogues que je. Ok, alors je vais reprendre ce que je vous ai dit. C'est très important. Si tu comprends ça dans ton esprit, ça va beaucoup t'aider. Je lance peut-être. J'ouvre un magasin quelque part avec quelqu'un. Et ce magasin par an allait me donner un bénéfice de 5 millions de francs CFA. Même comme dans le business, je m'arrange toujours pour que ce soit 5 millions par mois carrément. Moi, j'aime multiplier les sous, j'aime. Maintenant, tu viens, tu portes les sous. Supposons que tu me portes 4 millions, tu pars avec.
Et je sais que au bout de 3 mois, les 4 millions là auraient été multipliés et m'auraient donné 16 millions. Moi, aujourd'hui, mon énergie là vaut 16 millions. Et si je me concentre bien, je peux manifester les 16 millions. Rien ne se perd dans le monde énergétique. Je me suis. Celui qui a compris ce que j'ai dit, traduit un peu, tu écris cela. Pour savoir que tu as bien compris quelque chose, il faut que toi-même tu enseignes à une autre personne ce que la personne comprenne. Essayez un peu de traduire ce qu'il vient vous dire. Alors, si vous attrapez ça, ça va beaucoup vous aider. Souvent, tu vois quelqu'un, oui, je veux que telle personne me rembourse mon argent. Vraiment. Ok. Ton argent, il a pris ça fait combien de temps? Oui, c'était en 2003, non? Maman, on est en 2023. Ça fait 20 ans. Ton énergie est encore calée là-bas. Là-bas de from là. Tu sais combien tu aurais dû manifester en 2020, en 20 ans? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et parfois, il y a les shifts énergétiques. Parfois, Dieu veut te donner. Mais pour qu'il te donne, il faut que tu mettes une idée en place. Et c'est peut-être ton mari qui t'empêche. What a good smell. Ah oui, j'aime le parfum sur mes bracelets. Parfois, quand ça passe à côté de moi, ça sent bon. Nice. Je suis folle dans ma tête. Aïe, Seigneur. Ok, on devrait utiliser l'énergie qu'on prend pour réclamer la dette et l'utiliser pour travailler. Non, pas pour travailler. Parce que quand tu parles de travailler, ça veut dire que, ok, si tu as perdu 9 millions, tu vois comment il faut que tu travailles encore 5 ans pour avoir 9 millions. Pas pour travailler, mais pour manifester. Ça veut dire que si tu mets bien ton énergie, le mois là ou l'année là, tu peux tomber sur un business qui va te rapporter 9 millions. Et Kilo Camto, c'est trop léger. Utiliser l'énergie pour avancer et non pour reculer. C'est trop simple. On ne s'accroche pas à ce qu'on a perdu. On se sert de ça pour rebondir. Oui, rebondir, mais ce n'est pas fort, ce n'est pas puissant. Mettez de la puissance dans ça. C'est quoi avec vous? Tant qu'il y a pas, tant qu'on n'a pas pris les mains et ton cerveau. Vous avez. Hey, non, c'est comme ça que j'enseigne mal. Moi-même, si j'enseigne pas bien, alors. Hein? Qui t'ont donné cet argent? Ton énergie se régénère pour avancer. La fin de ta phrase est bien, mais ton début là. Que tant qu'on n'a pas pris tes mains ou ton cerveau, j'ai dit ça. Oh, mais bon, franchement, vous êtes terrible. Ouais. C'est les filles qui bavardaient, ça t'a distrait. Maëlys, c'est l'autre là. Trop de bavardage, vous avez distrait la classe. Tant qu'on n'a pas pris tes mains et ton cerveau. Regardez, l'argent ne se produit pas avec les mains. Vous suivez? L'argent ne se produit même pas avec le cerveau. L'argent se manifeste. Oh, c'est ta fait de main et cerveau là que je ne sais pas quand j'ai dit ça. Aïe. L'argent ne se manifeste pas. Ce qui bloque ton argent, c'est ton énergie. Tu sais ça? Tu restes. L'esprit te dit, aménage dans une autre ville. Va à t'installer. Tu regardes ton mari. Il va dire que je suis trop. Il va dire que ce n'est pas trop de travail qui va te donner l'argent. L'énergie, là où tu restes à côté de ton mari, là, ton énergie n'est pas productive autant que si tu étais parti. Il y a même des endroits géographiques qui favorisent ton énergie. Hein. Oui,
On va vous chasser la nuit. Hein. C'est vous qui m'écoutez avec vos maris à côté de vous. Il va voir, tu vas éclater de rire, il va te regarder que c'est quoi. Comme il y a les maris souvent qui n'aiment pas que tu sois heureuse là. Tu vois, quand un mari rentre aussi, il veut te faire des problèmes. Tu viens t'asseoir à côté de lui. Tu ris encore, ça l'énerve. Alors qu'il sait qu'il a fait un truc pour t'énerver. Mais tu es en train de rire. Vous connaissez un peu cette situation-là, non? La vie maritale, c'est quelque chose, hein. Attends, si on évolue ensemble. Je m'en moque pas de toi, hein. Si on évolue ensemble, c'est juste que tu m'amuses en fait. Toi, ton cerveau est très avancé. Tu réfléchis très vite à la vitesse de la lumière. Voilà, tu as bien expliqué. Applaudissez pour si on évolue. Il faut qu'on te donne le badge. La reine Marie. La meilleure réponse, c'est pour si on évolue ensemble, là, oui. Il ou elle l'a fait bien ses devoirs. Bien même. Je suis sûr que c'est une femme. Ça peut pas être un homme. Tu es trop intelligente pour être un homme. On applaudit pour les femmes qui rient à côté de leur mari là. On applaudit pour qui? Tu vois, tu éclates des rires. Ton mari te regarde ça là. Il me voit sur le téléphone. Bonjour les maris, bonjour. Bonjour. Il y a une là, son mari lui a dit qu'on est trois dans la maison, dans la chambre aussi. Pas dans la maison, dans la chambre. Elle se couche sur le lit pour écouter mes vidéos. Il dit qu'on est trois dans la chambre aussi là. Il y a ta femme de Facebook là et il y a toi et moi. Oh Seigneur, vous me faites trop rire. Encore la femme de Facebook là, oui. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu me regardes. C'est comme s'il y a quelque chose. On appelle ça soul family. Il y a quelque chose dans ton âme en fait qui est attiré par les vidéos que je fais. Et on ne force pas. On ne peut pas forcer. Certains de vos maris, le jour où ils vont me voir, ils auront mon macabo. Excusez-moi. Ah, Seigneur. Avant, tu t'occupais trop de lui. Maintenant, là, tu n'as plus son temps. Quand il rentre à manger, là, tu n'es plus avec lui. Ça l'énerve. Ouais, les femmes, allez vous occuper de vos maris, s'il vous plaît. Faut pas dire que c'est moi. It's not me, oh. La même foi qui t'a porté pour que tu quittes de 100 000 francs. Et que tu aies ton visa pour aller au Canada, aux États-Unis, peu importe l'endroit. Bonjour la reine Lyonne. Gaspille la connexion pour les vidéos de la femme si. Vanessa, il semble que ton mari me connaît particulièrement. Il m'a dit qu'est-ce qu'elle te donne pour que tu la suives, quoi. À boire son bain et tout, c'est lui qui demande. Il n'y a pas direct aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, vous êtes terrible. Et sans que les pigots ne fassent pas tous les directs, là, vos maris sont contents. Vous avez un peu de temps pour eux dans le lit. Aïe. Vous pouvez savoir comment ça m'amuse. Ah, yeah. Il dit n'importe quoi, check là. Tu mets même les écouteurs Bluetooth là. Tu te balades un peu dans la pièce, c'est en train de jouer. Après, tu éclates des rires seul. Après, une fois que tu as déposé le téléphone quelque part, c'est en train de jouer dans tes oreilles. Ah, fais si là. Une affaire sérieuse.
Vous savez, le mindset, c'est quelque chose de très important. Parfois, tu crois que tu peux faire quelque chose, mais il n'y a personne dans ton entourage pour t'encourager. Personne. Hey, Vanessa, tu mets le ouf. Là, tu as pu se déranger. Vraiment. Parce que souvent, dans mes choses-là, je dégomme un peu, je parle un peu, je crie un peu contre les hommes. Donc, si tu mets le ouf, sur la partie-là, il va te regarder comme ça, là. En tout cas, tu vas gérer tes problèmes là-bas seul. Aïe. Et que ça, c'est des choses que tu écoutes? Hein? Je sais qu'il y en a parmi vous, vous ne commentez pas, mais on se connaît. Je sais. Quand je gronde, donc, je savais. Le fou de votre mariage, si je ne viens pas, il dit que tu n'as pas invité la femme de Facebook qui est à la maison avec nous chaque jour là. Bon, regardez, je vous disais quelque chose aussi de très important. Parfois, quand tu vois, quand tu es tombé peut-être deux, trois fois dans le passé, et quand tu es tombé, tu avais. Parfois, tu peux te pousser jusqu'à ce que tu arrives en bain, tu vois, non? Dans ta famille, personne ne croyait que tu pouvais arriver en bain. Tu bosses, tu te casses, tu arrives. Tu imagines Mary avec le home cinéma, c'est pas vrai. Tu pousses jusqu'à ce que tu arrives en bain. Tu arrives aux États-Unis. Quand tu arrives là-bas, ta force est finie. Ta force est finie. Quand je parle de force, c'est la force pour te projeter comme quelqu'un qui devient riche en bain. Vous savez qu'il y a level et level, non? Tu peux être en bain. Tu trouves un boulot. Voilà, j'ai mon CDI de 2000 euros le mois. Je te parle des situations où tu te retrouves en bain. Tu as la Cayenne dans ton parking. Tu as deux Mercedes dans ton parking. Vous savez vous-même qu'en Europe, il y a riche et riche. Vous savez ça. Et que c'est un challenge de se voir dans un territoire et d'avoir du succès dans ce territoire. Après, je dirais tu es heureuse de. Vous voyez qu'on me parle fort là, non? C'est comme ça qu'elle parle partout. Même si elle est dans un endroit ou dans un bureau ou une salle d'attente, je parle que comme ça là. Et ça gêne beaucoup, ça embêtait beaucoup mes ex. Là, tu cries trop, parle doucement, c'est quoi? J'écris moi toujours. Parce que je n'aime pas quelqu'un me dit que je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Je préfère que tu m'entendes trop. Et je me répète, et parle bien fort. Voilà. J'ai aidé les Belges, je prétendais trop, même les Français. Tu parles après, dis. Elle dit quoi? Je ne suis pas ce qu'elle dit. Alors qu'elle a bien compris. Hein. Donc, elle parle fort. Pourquoi tu ne me dis pas que tu n'as pas compris ce qu'elle disait? Donc, je disais ceci. Quand tu vois, non, tu te pousses, tu arrives en bain. Et quand tu arrives, tu es essoufflé. Donc, tu n'arrives. Pour toi, c'était le top. On ne savait pas que tu pouvais arriver en bain. Tu arrives en bain. Maintenant, tu as besoin de construire un mindset qui va te permettre de t'élever au-dessus de la population de là où tu es. Je regardais un film hier. J'ai maintenant tendance, j'aime regarder les films où il y a les riches. Je n'aime plus les films de pauvreté ou de combat, ça ne m'intéresse pas. Les films d'amour, ça ne m'intéresse pas. Allez vous amouracher ailleurs. J'aime les films où tu vois une femme, elle est riche. Elle a l'argent, on la sait. Oui, elle a le manoir. Donc je regarde actuellement un film de japonais là, ça s'appelle Celebrity. Corée du Nord, je pense. Et le film là sur Netflix, c'est Celebrity. Une fille qui s'est enrichie avec les réseaux sociaux. Voilà mon genre de film. Et là, le film là, les gens ont l'argent. Seigneur! Quelqu'un dit que voilà une robe à 12, peut-être aussi bon, 12 000 euros. Après, dit, ah, de toutes les façons, j'ai porté ça pour un événement, j'en ai même plus besoin. Quand ça garde robe, tu vois, la lignée, les sacs Louis Vuitton comme ça là. Tu dis que yes, maman. Il y a l'autre que tu entres chez lui. Si quelqu'un regarde le film là, vous allez voir, le film est très bien. Enfin, moi, ça me plaît. Ok? Il entre, ça ménageait le déchausse quand il marche. Donc, pour enlever ses chaussures, il ne s'arrête pas pour retirer. Donc, il marche, ça ménageait derrière, il tend la main comme ça là. Après un moment, elle saute sur ses chaussures. Ça sort.
Et il est toujours en train de marcher. Enfin, le titre s'appelle Celebrity. C'est un film de coréen. Voilà mon genre de film maintenant. Genre de film où tu vois quelqu'un avec les grosses voitures. Genre, le moteur fait. Roux, 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 roux. Voilà, c'est le genre de bruit là que je m'entends sur Netflix maintenant. Je pas les films des hétéros, des homos, ça m'intéresse pas. Les faux combats là. Je veux le combat de l'argent. Laissez-moi les bêtises. Noëlla, tu as fait trop de bêtises dans ton enfance, vraiment. J'ai un enfant qu'on coxait beaucoup là. Ton flore là doit être très très lisse. Donc, je me suis rendu compte que dans tous les pays, j'y pensais hier, vous ne vous rendez pas compte que il y a des marques de voitures que peu importe le pays où tu es, si tu as la voiture, on sait que tu es riche. C'est ça, non? Voilà, Seo Harry, tu connais. Tu passes trop de temps sur Netflix, c'est toi. Tu passes trop de temps sur Netflix, ma chérie. J'ai commencé à regarder le film là, ça va plus de tout que j'arrive à regarder. Oui. Et ce qui me plaît dans le film, c'est juste le fait que elle est née riche, elle est devenue pauvre quand son père a tout perdu. Mais il y avait déjà dans son aura la richesse. Après, elle est redevenue riche. Voilà. Moi, j'aime les histoires qui se terminent bien d'abord. Hein. C'est vrai qu'à la fin, je n'ai pas encore fini. Hein. Mais il regarde seulement pour l'argent. Quand il y a les soirs où j'ai un peu trop regardé la pauvreté dans la journée comme ça, là, je ne vais pas regarder le film là. Ça me donne un peu les idées d'argent. Oui. Voilà. Mercedes-Benz, la Maybach. Voilà. Ouais, Seigneur, Maëlys, on ne commente plus, sauter de mon direct. Noëlla et Maëlys, vous me distrayez trop. Donc maintenant, quand tu arrives en Europe, l'objectif que tu te fixes, c'est ce que tu vas atteindre. C'est pour ça qu'à votre entrée en Europe, il y a toujours les gens pour vous dire, donc quand tu as ton petit CDI, après, l'État te paye ta maison, ton petit HLM. Tu n'as pas fait quoi dans le HLM? Puisqu'on te donne la maison, tu jubiles. Oui, on m'a donné la maison. Tu me suis. Hein? Et tu me suis. Jesus. Je veux venir en Europe, là, ne m'invitez pas dans le HLM. Hein. Va cibler le grand quartier de ta ville là. Une fois par semaine ou par mois, marche dans le quartier là. Parle au quartier là. Je veux voir comment tu vas pas habiter là-bas. Je veux voir comment tu vas pas acheter la maison là-bas. Vous parlez même de quoi? Et vous savez qu'à l'entrée de chaque pays, il y a toujours les gens qui ont fait 15 ans sur place, 20 ans sur place. Ne les cherchez pas quand vous arrivez dans le pays là. Et si vous avez fait l'erreur de les rencontrer déjà, effacez tout ce qu'ils ont programmé dans votre tête. Oh wow, la CAF te paye. Oh my gosh. Ils t'ont donné la maison. Oh my gosh. Je t'envie, hein. Voilà les envies qu'ils ont. Ah, yeah, Seigneur Jésus. Je sais que je suis dû sur certaines personnes, hein. On a raccourci ta vision, ma chérie. Et c'est que sur la partie, si personne ne va commenter, parce que ça vous touche. Parce que vous êtes tous dans les HLM là-bas. Le HLM, c'est un logement social. J'ai eu ça une fois en France. Avec les voisins qui sont bizarres. Toujours les voisins qui sont... J'ai l'impression qu'ils marchent, son corps fait comme ça là. Je vais faire que le silencieux sur l'autre aussi.
J'ai remarqué que dans les HLM, il y avait toujours les voisins bizarres. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Il te dit, ça fait 15 ans que je suis ici. Ça fait 15 ans que je vis ici. Oui. En fait, on t'a donné la maison quand tu avais 22 ans. Et tu n'as pas de boulot? Non, le gouvernement s'occupe de moi. Voilà ton voisin. Voilà le voisin que tu as. Il va t'inspirer à quoi? Ma mamie. Je parle les bonnes. Mes paroles sont sucrées, oh. I'm talking good talk, oh. Parfois, il y a les maisons là que tu prends, les énergies qu'on a laissées là-bas. Une femme qui a fait 25 ans dans cet appartement, on l'a trouvée morte dans la cuisine. On a nettoyé, on l'a trouvée morte dans la cuisine. C'est après 3 jours qu'on a découvert son corps. La maison était sur le marché depuis 6 mois. Finalement, on t'a donné. Te voilà. Ah, tu as bien dit, les bracelets électroniques. Tu as relâché l'ascenseur. On a vomi. J'ai vécu dans le genre de logement. L'ascenseur se gâte tout le temps. Je veux que tu te rendes compte que tu n'es pas dans ton environnement. Tu as suivi. Oh, pourquoi je ris trop? Je parle pour que tu t'éveilles. C'est vrai que ça m'amuse beaucoup. Ok, Seigneur. J'essaie de me calmer, ok? Le truc, c'est que dans tous les pays, les logements sociaux ont la même énergie. Dans les quartiers, la personne ne sort le matin pour courir. Hein. Je me rappelle quand j'étais au logement social en France. Je sortais le matin pour courir comme ça. Il n'y a personne dehors. Je dis, waouh! Waouh! Qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est pas mon environnement, moi. Ça, c'est pas mon environnement. C'était le piège. Et ces personnes qui t'ont conseillé, ils t'ont conseillé. Tu as atteint ce qu'ils ont mis pour toi comme objectif. Et tu vois que tu désires plus que ça. Tu sais que ce n'est pas ta part là-bas. Tu sais que ce n'est pas moi. This is not me. Come on. This is not me. Tu le sais. Maintenant, il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu planifies à nouveau. Et dans ces coins-là, les amis que tu te fais, tu ne peux avoir que des copines qui sont à la maison, qui jonglent, elles travaillent dans le noir. Elles ne veulent pas dire à l'État qu'elles touchent. Ça, c'est les copines que j'avais dans des endroits comme ça. Hey, Seigneur Jésus. Dans les ascenseurs, là, souvent, j'avais même peur que je me retrouve avec le voisin dans l'ascenseur. C'est maintenant qu'il comprend que j'ai traversé beaucoup de choses quand même. J'ai traversé beaucoup de choses.
Mais durant ces années, ma vision, je développais toujours ma vision. J'écrivais mes projets. Je replanifiais mes choses. Je replanifie. Et sans compter les assistantes sociales. J'ai horreur des assistantes sociales. I'm so sorry. Moi, de donner le pouvoir de ma vie à quelqu'un, c'est elle qui décide si tu es prête pour qu'on te donne telle chose. C'est elle qui est ta coach. C'est elle. Hey, pardon. Sans compter la CAF. Celui qui te donne l'argent va toujours être ton maître. Tu m'écoutes bien. Et c'est que tout cela, ce n'est pas le genre que vous voulez commenter. Celui qui te donne l'argent va toujours être ton maître. J'ai rendez-vous avec mon assistante. Elle m'a dit que je peux maintenant. Elle m'a dit que j'ai, Seigneur. Yay. Sans compter qu'il y a les zones que quand tu vis dans certains coins, tu fais les demandes pour l'école de ton enfant. Il y a les écoles où on ne peut pas accepter l'enfant. Les écoles gouvernementales. Je vous en prie, sortez des rouages de ce système. Tu me suis? Ton enfant là, il est peut-être en bas âge. Mais il n'a pas besoin d'arrêter de 15 ans. Et tu es dans le quartier là. Et c'est toi qui peux le sortir de là. J'ai tellement souffert avec ma fille. J'ai vu les. Il y a un jour, je suis allée sur Google. Un de mes amis me dit que tu es sur Google Maps. Vous savez que quand Google Maps venait de sortir, ils avaient des voitures qui se baladaient dans les villes, dans les rues de l'Angleterre pour filmer les gens. Oui. Et il me dit que j'étais vu au coin de ta rue dans Google Maps. Je passe sur Google Maps, je tape ma rue. C'était Charleville Road. Quelque part là-bas, Birmingham toujours. Je m'approche, je me vois au bus stop. Je suis en train de marcher et je suis en train de tenir la main de ma fille. Elle est derrière moi, elle a lancé un pied comme ça. Elle veut. Ma fille courait derrière les bus à 3 ans pour moi. Le jour, vous allez voir Aurélie comme ça là. Aurélie a traversé les choses. Si l'enfant ne devient pas milliardaire, elle a vu toutes les qualités de Ouah de ma part. Et les relations où je sors, on me cabosse. On vole mon argent. Je rentre, j'ai goumang d'abord. Et mon argent est fini. Et j'ai. Et les endroits où je fuis la relation, ça, je la tire avec moi. En septembre, plein hiver, on a l'arrêt de bus. On appelle le 114. On nous met quelque part. Je reste avec l'enfant sur le lit comme ça. Je dis que je vais faire comment avec l'enfant. Un jour en 2021, d'examen, ma fille me regarde et dit, maman, tu es maintenant riche. Hein? C'est là qu'est-ce que j'ai pensé. Quand mon enfant m'a dit que si. Ma fille savait que j'avais toujours un échec tous les 2, 3, 4 mois. Je vais faire un truc. Jusqu'à elle me dit que, ouais, tu vois, on va faire ça, ça, ça et cela. Après, elle reste. Elle dit, maman, on ne fait plus. Je dis que, mamie, pardon. Ça n'a pas donné. Et t'es dit. Elle savait déjà que nous. Que ma mère fait de temps en temps, elle fait des trucs là, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Elle dit, maman, tu es devenue riche. Le jour-là, j'ai dit que non, j'ai pensé si ma fille me dit que je suis riche. Ah. Non. Et dès que je me suis vue sur le truc de Google Maps là, j'étais en train de marcher, donc je courais ou je sais pas où je partais. Elle était derrière moi toute petite comme ça là. Oh là là. Quand on courait pour attraper le bus, j'ai dit coucou, coucou. Elle est derrière moi, elle essaye, elle essaye. On entrait pour au fond et s'assoit. Pendant que je suis en train de payer mon ticket où je monte mon bus passe, elle m'attend.
Je vous ai raconté les périodes où je partais travailler, je la laissais à la maison. Elle avait 3 ans et demi. Elle a laissé à la maison. Je n'avais personne pour la garder. J'arrive au boulot, je dis que hey, mon enfant à la maison, et, Seigneur, pardon, garde-la seulement. Et le jour où j'arrivais pas, j'avais pas d'argent pour mettre la lumière. C'est maintenant qu'au Cameroun, il y a le système de rechargement de lumière. Il y a ça en Angleterre depuis longtemps. Elle avait 3 ans et demi. Il me restait 5 pounds dans mon compte. Il y avait sûrement un paiement qui est passé. Ça a diminué mes 5 pounds, peut-être à 4 pounds ou bien 3 pounds, quelque chose. Et je comptais retirer les 5 pounds là. Et en Angleterre, il y avait les machines qui donnaient 5 pounds. Il y en avait qui ne donnaient pas. Donc, j'arrive le jour là au bus stop. Je touche ma carte dans le mur. On me dit, sorry, you don't have sufficient funds to make the. Hey! Je me tourne au conseil, je dis que je dois charger la lumière à la maison. On va faire comment pour dormir aujourd'hui? Il dit que je vais mendier devant mon enfant. Ça me paraît bizarre. Il dit bonjour. Il demande l'argent à 2 personnes. Je leur dis que je ne suis pas une mendiante. Je ne suis pas une mendiante, mais je n'ai pas l'argent. Tu vois, j'ai trop de choses que j'ai vécues qui m'ont fait dire que je dois, I must succeed. On monte, on descend. C'est ça qui me motive. C'est ça qui fait que même si j'ai un échec à 10h, 14h, tu me vois, je suis encore debout. Jusqu'à ne blague pas. Oui. I must. I must. Il n'y a pas d'autre chemin. J'ai trop souffert pour 50 vies. Oui. On a dormi dans le noir le jour-là. Il l'a enveloppé avec la couette. Je suis couché à côté d'elle. J'ai dit que bon, reste dans la couette. Si le froid doit tuer quelqu'un, ça me tue d'abord avant d'arriver sur toi. Après, j'ai commencé à comprendre que les Camerounais, la vision des Camerounais, quand Camerounais avait même la voiture, c'était pour impressionner les autres. Tu vois quelqu'un, il a une Audi, il a un crâne avec. Il ne peut pas te donner un tuyau qui va t'aider. Parfois, tu peux ne pas donner l'argent à quelqu'un, mais tu donnes la vision à la personne. Quoi, ma fille? Mais vraiment, tu peux réussir, tu as le potentiel. Tu travailles seulement ici. La meilleure chose que tu puisses donner à quelqu'un, c'est la vision. C'est la vision. Je te trouve dans ta petite chambre. Je te dis que ma chérie ne te dérange pas. Quand tu vas sortir de la chambre, si tu vas évoluer, tu vas partir comme ça. Quand tu vas sortir, tu vas évoluer comme ça. Tu vas évoluer comme ça jusqu'à ce que tu vas voir tes immeubles. Même si tu étais maudit et que ce n'était pas dans ton aura, j'ai semé quelque chose dans toi. Noël, là, tu es plus magique. Non, parfois quand elle regarde Aurélie, en tout cas, la reine Monique connaît. Aurélie, like, you know, she's not going to be overexcited. Elle a un calme là que. Moi, je suis like, ah! Reine Monique, tu connais. C'est pour ça que hier, quand j'étais comme ça, là, je te disais que l'enfant là, elle est calme. Oh yeah. Tu peux semer quelque chose dans quelqu'un. Il dit que j'avais rencontré une femme là. Je ne sais même plus qui c'était. Oui, il y a de cela 15 ans. C'est elle qui m'a fait croire que je peux devenir riche en France. Oui. Et aujourd'hui, me voilà. Vous pensez que vous êtes dans quel pays qui est dur? Que c'est dur que comment? Il n'y a pas de gens riches dans le pays là. Hein? Et au départ, ne cherche pas à savoir comment ou bien où tu vas trouver l'argent. Ne cherche pas. Accepte d'abord que tu peux devenir riche là-bas. Tu peux arriver dans un pays, les Camerounais ne sont pas vraiment riches. Mais toi, tu te dis que non, je serai la première Camerounaise milliardaire dans ce pays. Après, tu mets le travail dessus. Parce que, pardon. Quand tu as la vision et tu es quelqu'un qui va aller loin, même si tu es encore pauvre, quand on te voit, on connaît. Que la personne, s'il veut entendre parler d'elle un jour.
Vous entendez parler d'elle. Je ne sais pas encore quand, mais it's a matter of time. Oui. Tu as 55 ans, tu crois que tu es plus vieux que qui? Si tu dois mourir à 90 ans, ça veut dire que tu as encore 35 ans devant toi. C'est beaucoup, hein? Les gens deviennent célèbres et riches en 2 ans. Tu as encore 35 ans devant toi, mamie, pardon. Arrête. C'est pour ça que quand vous commencez à évoluer, donnez le meilleur à vos enfants aussi. Parlez-leur de leur futur. Déposez des idées dans leur esprit. Faites-leur voir vos réussites et vos échecs. Que l'enfant sache que il y a des jours il peut faire quelque chose à ne pas. Mais le lendemain, il n'est pas fait encore. Pardon. Très important. Mais j'ai quand même une belle vie. Ma vie me plaît. I love my life. Bon, je dirais que ça a beaucoup duré. Et mon quelle heure? Waouh, 23h. What? Waouh. Moi, je suis en train de me penser. Je suis en train de voir derrière. Je suis en train de m'agacer ma plan. Donc, ça veut dire que l'énergie du direct est finie. On se voit demain. Tu dois avoir la foi que tes choses vont marcher. Confiance en toi. Tu dois avoir confiance. Que si je suis arrivé à ce niveau, si je vais encore progresser. Si telle personne a pu faire, moi aussi, elle peut faire. Quand je venais de commencer à apprendre ces principes-là, pour moi, c'est comme si ça n'allait jamais se réaliser. Après, souvent, j'écoute. Après, je dis que ça va aussi m'arriver quand non. Ça va aussi se passer quand non. Non, c'est comme si tu sèmes dans un champ. Tu viens mettre l'eau tous les jours. Tu verses de l'eau, tu enlèves les mauvaises herbes. Tu verses de l'eau, tu enlèves les mauvaises herbes, ça grandit. Et après, quand tu commences à récolter, tu récoltes toutes les années. C'est fou quand un arbre commence à produire, il ne s'arrête plus. Hein. Il produit seulement, non. Chaque année, dans la saison, il produit, il produit. Saison, il produit. Saison, il produit. Saison, il produit. Saison, il produit. Tu vois, ça devient... Ça a peut-être pris du temps pour qu'il commence à produire, mais quand il commence à produire, il ne s'arrête pas. C'est ça. Bon, vous passez une bonne nuit. Bye.